À Pointe-Noire, il n'est pas rare de voir des lunettes médicales étalées dans la rue et vendues à la sauvette. Elles sont même entremêlées avec d'autres types de lunettes que proposent les vendeurs ambulants aux passants. Et pourtant, la vente des lunettes médicales exige certaines normes sans lesquelles l'acheteur est exposé au risque des maladies graves telles que la cécité, selon les spécialistes. Nombreux sont les Pantenegrins qui souffrent des troubles de la vue, mais n'ont suffisamment pas de moyens financiers pour se payer une consultation chez un ophtalmologue et s'acheter par la suite une paire de lunettes médicales. Pour contourner cette difficulté, certains vendent directement chez les vendeurs à la sauvette de lunettes qui, à leur tour, s'approvisionnent auprès des Chinois, disent-ils. Alors que certains clients reviennent si souvent avec des réclamations selon lesquelles les lunettes achetées les ont rendus plus malades qu'auparavant, car les unités ne correspondent pas à ce qu'ils ont demandé. Les sachants de ce secteur nous éclairent sur le risque que courent les populations en s'achetant les lunettes à la sauvette. On ne peut pas vendre des lunettes juste comme ça. Normalement, c'est un bien. On le vend avec l'ordonnance préalable, bien évidemment. Avant de venir acheter des lunettes, vous devez vous faire consulter par un médecin. Les gens ont peur d'acheter des lunettes dans les maisons de lunetterie, par peur que c'est cher, par manque de moyens et tout ça. Mais normalement, c'est pas ça. Eux, ils sont ignorants. Il y a d'autres qui partent là-bas juste par manque de moyens ou encore par ignorance, comme je le dis. Ce n'est pas recommandé à un patient d'aller acheter des lunettes dans la rue. Parce que déjà, il faut avoir l'ordonnance pour aller voir un opticien. Et si vous n'avez pas d'ordonnance, on va vous proposer de n'importe quoi qui va vous rendre encore malade. Vous allez vous dire que je vais là-bas parce que c'est moins cher, mais ça va gaspiller votre. Le secteur médical est réglementé, mais c'est la non-application de la loi qui est à la base de ventes désordonnées des lunettes médicales dans la rue. Aux autorités compétentes régulant ce secteur de sévir.